Le 18 septembre 2009, une mère de famille, Kathleen Wells, fait appel à la police parce qu'elle n'a pas de nouvelles de sa fille, Mélanie, depuis qu'elle est partie chez son amie pour assister à un concert. La police va donc se rendre chez son amie, Emma Niederbrock, pour faire un contrôle, mais personne n'ouvre la porte. Kathleen s'inquiète évidemment encore et va faire appel du coup à l'ex-mari de la mère de l'amie de Mélanie. Elle lui demande d'aller jeter un coup d'œil chez son ex-femme, puisqu'elle n'a aucune nouvelle d'eux, personne ne répond au téléphone, mais surtout sa fille n'est toujours pas rentrée et n'a pas de nouvelles. L'homme habitant à seulement une demi-heure du domicile lui dit qu'il n'y a pas de souci et il ira faire un tour et puis il la tiendra au courant. Le problème, c'est que Catherine n'aura plus de nouvelles de cet homme et toujours pas de nouvelles de sa fille. Elle va encore appeler la police pour que celle-ci se déplace en leur expliquant la situation, mais cette fois-ci, quand la police va se déplacer au domicile de Emma Niederbrock, la scène sur laquelle ils vont tomber dépasse de loin les horreurs que vous pouvez imaginer. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle de faits divers et bien d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et sans plus attendre, c'est parti pour l'histoire du jour. Emma Niederbrock est née le 15 octobre 1992 de ses parents Mark Niederbrock et Debra Cayley à Champaign, dans l'Illinois. La famille a déménagé dans l'Illinois vers Farmville, dans le centre de la Virginie. En 2003, Mark a commencé à servir comme pasteur à l'église presbytienne Walker à Hicksburg, en Virginie. Debra était professeure de sociologie et de justice pénale à l'université de Longwood à Farmville. Emma, adolescente, était une fille plutôt douce, calme, intelligente, mais plus le temps va passer, plus sa personnalité va changer. Elle va commencer à adorer un style de musique en particulier, l'horreurcore. L'horreurcore, c'est basé sur du contenu lyrique et des images sur le thème de l'horreur et souvent sombrement transgressif. Ses origines proviennent de certains artistes de hip-hop hardcore et de gangsta rap, qui ont commencé à incorporer des thèmes d'horreur surnaturelle, occulte ou psychologique dans leurs paroles. Faut savoir que contrairement à la plupart des artistes de hip-hop hardcore et de gangsta rap, les artistes de horrorcore poussent souvent le contenu et les images violentes de leurs paroles au-delà du domaine de la violence urbaine, au point où les paroles violentes deviennent horribles, macabres, troublantes ou slasher, éclaboussures cinématographiques. C'est un style de musique qui dépeint vraiment une personnalité assez violente en général. Mais ça reste un style musical, donc c'est pas parce que vous écoutez ce style de musique que vous serez plus tard un tueur en série. Je pense. Rapidement, c'est plus juste un style de musique qu'Emma va écouter. Ça va devenir une vraie obsession. Son style vestimentaire va commencer à changer, elle va se teindre les cheveux en rose et commencer à se maquiller avec du noir partout sur les yeux. Vraiment, elle va adapter son style à la musique qu'elle écoute. Mais au-delà de l'apparence physique, Emma, ce qui va changer aussi chez elle, c'est son comportement. Surtout vis-à-vis de ses parents. Elle va commencer à se rebeller, à s'énerver, à montrer une résistance face à l'autorité, assez classique en général des adolescents, mais ça va être accentué par son style musical qui va la pousser à avoir des paroles beaucoup plus violentes que ce qu'une adolescente dirait en général. Mais ses parents vont pas la contredire et vont la laisser faire, tout simplement parce que début 2009, Mark et Debra vont divorcer. Et pour éviter de perturber davantage Emma, ils vont décider de lui laisser un libre cours à ses pulsions, si on peut dire. Voilà, elle s'énerve, elle c'est l'adolescence, c'est normal, et puis de toute façon, on a divorcé, on va pas lui rajouter ça sur le dos. Au divorce de ses parents, Emma va rester sous le toit de sa mère Debra, et son père, Mark, va tout simplement déménager pour leur laisser la maison familiale. À ce moment-là, Emma va passer de plus en plus de temps enfermée dans sa chambre, et elle va commencer à surfer sur le net. En 2009, il y a des blogs, notamment Skyblog, où on va pouvoir passer beaucoup de temps. Ceux qui ont connu ça, vous êtes devenus vieux comme moi. J'ai connu Skyblog. Et à l'époque, c'est les groupes MySpace qui sont extrêmement à la mode. D'aller discuter dans des groupes comme ça avec beaucoup de gens, avec une passion en commun, c'est quelque chose de très répandu quand on est adolescent. Et sur ces blogs, on pouvait discuter avec toutes sortes de personnes. Et c'est ici que Emma va faire la rencontre de sa future meilleure amie, Mélanie. Jusque-là, au début, je pense que vous ne compreniez pas pourquoi je parlais plus d'Emma que de Mélanie. Dire que dans mon intro, je vous parlais de Mélanie et non d'Emma.
Et évidemment, si je vous dis ça comme ça, c'est qu'il y a un but. Surtout, c'est que l'histoire a besoin de ça. Donc, Melanie Wells était également fan de l'horrorcore, donc de ce style musical. Elle adoptait également ses styles vestimentaires aussi. Enfin, du coup, les deux se sont retrouvés l'une en l'autre et vont développer une amitié très forte. En septembre 2008, un petit peu avant le divorce de ses parents, Emma était déjà sur les groupes MySpace et c'est aussi là-dessus qu'elle va faire la rencontre d'un rappeur amateur dans le domaine de l'horrorcore nommé Psycho Sam, de son vrai nom Richard McCroskey. À l'époque, lui, il est âgé de 19 ans et Emma est seulement âgée de 15 ans. À ce moment-là, les deux vont commencer à beaucoup discuter sur les forums, que ce soit en groupe avec Mélanie ou d'autres personnes de leur milieu musical, mais aussi ils vont échanger énormément tous les deux. Vraiment ensemble et vont développer des liens très forts. Alright, so you wanted a video, and you made me videos, so. And he said please, so. I'll make you this video, even though I'm not gonna, like, do anything. Cause my room's kinda dirty, and. Yeah, I don't wanna show you my dirty room. But this video is for Emma, cause you just told me to say your name, so. I don't know. I'll make you another video with me, I promise. Unless you just want to like see my wall, because that's not dirty, but behind me is dirty, so that's not good. Richard McCroskey, Psycho Sam, est un jeune homme qui est né le 26 décembre 1988 à Howard, en Californie. D'ailleurs, ses parents vont également se séparer en 2009. Un peu à la même période qu'Emma, peut-être que ça les aura rapprochés. Richard a fréquenté deux écoles différentes dans sa jeunesse, et les deux, il les a abandonnées, parce que malheureusement, c'était un garçon qui était souvent intimidé et harcelé à l'école, notamment à cause de sa couleur de cheveux qui tirait sur le roux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'encore aujourd'hui, dans énormément d'écoles, le harcèlement fait des ravages. Ça peut conduire à des enfants qui s'enlèvent la vie, ou alors à des personnes qui sont traumatisées à vie également, mais aussi conduire à des gens qui passent à des actes terribles. Sa sœur Sarah va le décrire un peu plus tard comme quelqu'un de plutôt passif. Il voulait pas forcément rentrer dans des conflits, quand il était intimidé, il se laissait un peu faire, à moins qu'on le provoquait vraiment très fortement, mais sinon il était plutôt pacifique. Et c'est pour ces raisons-là que malheureusement Richard, dans sa jeunesse, n'a pas eu énormément d'amis et a passé le plus clair de son temps sur le net à écrire des musiques dans l'horrorcore et discuter énormément sur des groupes MySpace. C'en est devenu tellement courant qu'il était sur les réseaux que pour lui, en fait, c'était un moyen d'échapper à la réalité. Comme beaucoup, et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui se réfugient sur le net pour échapper à une réalité qui leur déplaît. En septembre 2009, Emma et Richard discutent maintenant depuis un peu plus d'un an. Emma a maintenant 16 ans et Richard a 20 ans. À ce moment-là, Richard considérait clairement Emma comme sa petite amie. Ils échangeaient énormément, depuis longtemps en ligne, et quand il présentait Emma auprès de personnes, il la dépeignait comme sa petite amie. Dans les messages que les deux s'envoyaient, effectivement, Emma était très affectueuse envers lui, avec des mots qu'on dit en général à son petit ami, mais impossible de savoir si à l'époque, Emma était sérieuse dans ses dires, ou si c'était juste voilà, une discussion sur internet et qu'elle pensait pas que ça donnerait suite. En septembre 2009, il y a un festival qui va avoir lieu à South Gate, dans le Michigan. Le festival s'appelle Strictly for the Wicked. C'est un festival d'horreur d'une journée entière prévue le 12 septembre 2009. Et Emma, du coup, accompagnée de sa meilleure amie Mélanie, avait comme projet d'aller assister à ce festival. C'est la musique qu'ils adorent, c'était la musique qu'ils adorent, c'était l'occasion d'aller passer un très bon moment. Les deux amis ont déjà participé à des festivals, ça s'est toujours bien passé, donc ils avaient un projet tout simplement d'y aller. Sur le net, Emma et Richard vont commencer à parler de ce festival. Et ils se disent que ce serait une excellente occasion pour se rencontrer en vrai. Ça fait longtemps qu'ils parlent ensemble et il serait temps justement de passer du fictif au réel. Sans surprise, les parents d'Emma sont un peu inquiets quand même. Leur fille n'a que 16 ans et l'homme qu'elle désire rencontrer a aujourd'hui 20 ans. Et surtout, elle lui a parlé uniquement sur le net, ils ne se sont jamais rencontrés, donc voilà, elle s'inquiète. Mais encore une fois, les parents n'ont pas envie d'aller contre la volonté d'Emma. Donc à ce moment-là, Mark et Debra, donc les parents séparés de Emma, vont décider de conduire Emma, Mélanie et Richard à South Gate et de passer la journée en ville
pendant que le festival se déroulait, pour les laisser un peu tranquilles. C'est donc le 6 septembre que Richard va quitter la Californie pour arriver en Virginie. Et Emma, à ce moment-là, est contente de pouvoir enfin rencontrer en physique Richard, puisque depuis des années, des liens se sont créés. À ce moment-là, la chronologie n'est pas très claire. Mais d'après ce que j'ai compris, Richard est arrivé chez Emma à Farmville le 7, ou peut-être le 8. Mélanie, elle, est arrivée chez Emma le 7, donc quelques jours avant le festival, histoire de pouvoir discuter, etc. Assez étrange que les parents d'Emma acceptent que Richard dorme dans la même maison que leur fille, sachant qu'ils n'avaient vraiment aucun background sur cette personne, ils ne savaient absolument pas qui c'était. Et si on regarde un peu les musiques et les paroles qu'il écrit sur internet, c'est quand même assez inquiétant, on aurait même pu penser à un psychopathe. Mark n'est pas présent, n'est pas resté, pour raison tout simplement qu'il travaille, donc il est reparti. Et c'est Emma, accompagnée de sa mère, Mélanie et Richard, qui vont occuper l'appartement le temps du festival. Le problème, c'est que quand Emma va rencontrer Richard pour la première fois, eh bien, ça va pas se passer aussi bien que prévu. C'est un peu comme aujourd'hui, mais en version un peu moins poussée quand même, c'est que bah, malheureusement, Richard ne ressemblait pas forcément aux photos qu'il lui avait envoyées. Peut-être, voilà, il s'était beaucoup plus apprêté sur les photos, chose qu'il n'avait pas faite pour la rencontre, et du coup, ça a un peu refroidi Emma. Et au-delà de l'aspect physique, l'aspect de la personnalité, bah, l'a un peu refroidi aussi. Elle avait l'habitude d'un garçon plutôt ouvert d'esprit, mais également quelqu'un qui écrit des paroles violentes, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est assez éloquent, et là, c'était tout l'inverse. On est en face d'un homme timide, qui n'osait pas trop lui parler, n'osait même pas la regarder dans les yeux, tout l'inverse de ce qu'elle avait imaginé. Et il était surtout pas du tout apprêté pour une première rencontre. À ce moment-là, Richard portait juste un sweatshirt à capuche noire surdimensionné, et un pantalon cargo noir assez ample. Ses cheveux étaient gras et roux, et ils étaient coiffés directement sur son front. Donc vraiment, on aurait dit qu'il n'avait pas du tout pris soin de son apparence pour la première rencontre qu'il allait faire avec potentiellement sa future petite amie. Donc sans surprise, à ce moment-là, Emma le trouve absolument pas attirant. Et au-delà de tout ça, au-delà de sa timidité, pour les peu de fois où il parlait ou prenait la parole, on aurait dit un adolescent de 12 ans. Il avait vraiment le comportement d'un gamin. Il n'était pas drôle, il faisait des blagues nulles, enfin... Voilà, Emma était un peu saoulée parce que, bah, concrètement, elle savait que ça collerait pas. Malgré tout, Emma reste très polie avec Richard. Le but, c'est pas de voilà, lui faire du mal gratuitement, mais elle sait au fond d'elle que ça n'ira jamais plus loin. Elle reste quand même polie avec lui et reste, voilà, assez gentille. Mais elle reste tout de même distante. Donc même si, auparavant, dans leurs échanges sur MySpace, Emma a fait comprendre à Richard qu'elle souhaitait potentiellement une relation avec lui, même si lui avait déjà presque dans sa tête l'idée du mariage, et bien là, leur rencontre, bah, Emma, ça lui a juste donné l'effet inverse. Elle a plus du tout envie. Mais pour Richard, évidemment, il a ressenti cette distance, mais il s'est simplement dit que c'est le temps qu'ils aillent dans leur univers, le temps que voilà, il est pas à l'aise, c'est normal. Donc une fois qu'ils seront arrivés au festival, voilà, les choses vont se détendre, et puis Emma va comprendre qui il est vraiment, et puis voilà, enfin ça va... C'est le temps que la timidité s'efface un peu. Voilà, on est tous un peu timides quand on vient de rencontrer quelqu'un, c'est pas toujours facile. Donc il s'est dit, voilà, peut-être qu'arrivé au festival, ça se passera mieux. Puis surtout, avec le style de musique qu'ils écoutent, une fois arrivé au festival, quand tu auras la musique à fond, il y aura tous les gens qui dansent, qui prennent du bon temps, bah peut-être qu'ils pourront s'immerger et lui retrouver un peu ce côté de sa personnalité qu'il a beaucoup sur le net et non en réalité. Puisqu'il sera vraiment plongé dans son domaine. Et à ce moment-là, peut-être qu'il arrivera à refaire balancer la balance en sa faveur. Selon les autres personnes qui étaient présentes au festival, qui ont été interrogées par la suite, Emma, pendant le festival, a accordé très peu d'attention à Richard, puisqu'elle avait complètement déserté l'idée de potentielle relation avec lui. Mais du coup, voilà, elle l'a laissé dans son coin, et au-delà de le laisser dans son coin, eh bien, elle a, a priori, flirté avec beaucoup de garçons durant cette soirée, sous les yeux de Richard, qui était complètement démuni et qui ne comprenait pas pourquoi Emma avait changé autant d'attitude. Sans surprise, Richard l'a très mal pris. Le festival va se terminer vers 23h le 12 septembre, et le lendemain, Emma, Mélanie, Richard et Debra, la mère d'Emma qui les a accompagnés au festival, vont tous rentrer à Farmville depuis le Michigan. D'ailleurs, à 2h43 du matin, le lundi 14 septembre, Mélanie va poster sur sa page MySpace cette publication que je vous traduis, SFTW, le nom du festival, était vraiment incroyable, de retour en Virginie maintenant, de retour en Virginie occidentale mercredi, tout le monde me ment. Donc on sait qu'à ce moment-là, tout allait bien. Mais après ce message sur MySpace, Mélanie est restée beaucoup trop silencieuse.
plus aucune nouvelle de Mélanie. Ni les amis de Mélanie, ni sa famille n'aura de nouvelles d'ailleurs. Et ça lui ressemblait pas du tout. C'était quelqu'un qui était beaucoup sur le net, qui postait beaucoup de posts, la preuve, elle en a posté un quasiment au retour de son festival, et là il n'y avait plus aucune nouvelle. Donc c'est sans surprise qu'après beaucoup de tentatives pour essayer de joindre Mélanie, ses parents ont commencé à s'inquiéter. Leur fille, ils l'ont confiée à Marc et Debra pour l'emmener au festival avec son amie Emma, mais normalement elle était censée rentrer là, et là c'est pas le cas. Donc le père de Mélanie, Thomas, va commencer à s'inquiéter très fortement puisque Mélanie était censée rentrer le 16 septembre. À cette date, et n'ayant toujours pas eu de nouvelles de sa fille, il va parcourir les 300 km d'Inwood, là où il habite en Virginie occidentale, jusqu'à Farmville, le domicile de Debra et Emma. Il va se pointer à la porte du domicile, frapper, mais personne ne va répondre. À ce moment-là, il va s'asseoir devant la maison et attendre de longues heures en espérant tomber sur Debra ou quelqu'un qui rentre à la maison pour savoir ce qu'il en est. Il va attendre 7 heures. 7 heures devant la maison en espérant tomber sur quelqu'un. Mais au bout d'un moment, il a dû se résoudre à partir puisqu'il a bien compris que personne ne rentrerait. Il est rentré chez lui en essayant de se convaincre que peut-être le trajet a été retardé pour X raisons, qu'ils étaient seulement sur la route et qu'ils allaient pas tarder à rentrer, mais il avait quand même un sentiment très étrange en lui et plutôt mauvais signe. Quand son mari il est rentré à la maison, Kathleen était encore plus inquiète. Pour elle, c'était absolument pas normal qu'il ne soit pas rentré du festival, mais au-delà de ça, qu'il n'ait surtout pas de nouvelles de leur fille. À ce moment-là, elle va commencer à contacter des personnes qui étaient susceptibles d'avoir croisé Mélanie et Emma au festival, notamment des gens qui y étaient et qui côtoyaient leur page MySpace. Elle va appeler notamment des rappeurs présents, puisqu'à l'époque, les artistes étaient assez facilement contactables via les plateformes, et surtout, les filles étaient amies avec une des rappeuses qui participait au festival. Cette personne va leur dire qu'effectivement, les deux étaient au festival et qu'ils sont partis comme c'était prévu. Kathleen va s'inquiéter encore plus en ayant ces informations-là. Et elle va une énième fois appeler au domicile de Debra et au domicile de l'amie de Mélanie, Emma. Et cette fois-ci, le téléphone va décrocher. Et au bout du fil, c'est Richard. Kathleen, affolée, lui demande mais qu'est-ce qu'il en est, où est sa fille, pourquoi elle ne répond pas au téléphone. Et à ce moment-là, Richard va simplement lui répondre que là, ils peuvent pas lui passer parce que Mélanie et les filles sont parties au cinéma. Sa réponse est pas claire, le timbre de voix est plutôt inquiétant. Donc quand elle raccroche, Kathleen est très très loin d'être rassurée, bien au contraire. Donc c'est à ce moment-là que Kathleen va appeler pour la première fois la police pour qu'il puisse aller justement jusqu'au domicile de Emma pour essayer de savoir ce qu'il en est. Elle leur explique la situation et une patrouille se déplace jusqu'au domicile d'Emma. Une fois qu'ils arrivent au domicile, ils vont tomber sur Richard. Encore une fois, la police va l'interroger et lui va répondre simplement qu'effectivement les filles ne sont pas présentes, qu'il ne sait pas pourquoi elle donne pas de nouvelles, mais qu'elles sont toutes parties au cinéma et que y a rien d'anormal, qu'elles vont rentrer. La police va pas chercher plus loin. Ok, il dit qu'ils sont au cinéma, on va pas déployer non plus 40 casernes pour ça. Ok, c'est bon, ils rentrent chez eux. La patrouille repart, ils donneront pas suite plus que ça. Il y en a beaucoup à ce moment-là qui se sont interrogés sur le fait, enfin qui se sont demandé pourquoi la police n'avait pas jeté un coup d'œil à l'intérieur de la maison, n'avait pas posé plus de questions à Richard, puis savoir qui il était réellement, puisqu'à ce moment-là, la police ne savait pas qui était Richard dans cette famille, donc assez étonnant. Mais le truc, c'est que pour qu'il se déplace, Kathleen, elle a expliqué que sa fille, Mélanie, n'était pas revenue et ne donnait plus de nouvelles depuis 2 jours. Sa fille avait 18 ans, elle était majeure, donc théoriquement, elle était censée faire ce qu'elle voulait. Donc beaucoup pensent que tout simplement, la police a fait une visite, que potentiellement Richard les a vus arriver et est sorti de la maison, donc il n'avait pas de regard à l'intérieur, et étant donné que Mélanie est majeure, il ne pouvait pas non plus alarmer tout le monde, dire qu'elle faisait concrètement ce qu'elle voulait. C'est à ce moment-là que Kathleen, elle s'inquiète trop, et après du coup cette intervention de la police, va contacter Marc, le père d'Emma, donc l'ami de sa fille, pour lui demander si lui il a des nouvelles. Et il va lui répondre que non, pas du tout. Et elle va lui demander est-ce que c'est possible de passer au domicile de ton ex-femme, Debra, pour aller vérifier que tout va bien. Je suis inquiète, elle lui explique la situation, qu'elle n'a toujours pas de nouvelles, qu'elle a envoyé une patrouille et que la patrouille a trouvé que Richard au domicile et que, elle s'inquiète. À ce moment-là, Marc vit à Pamplin en Virginie et il est à environ 20 minutes de route de Farmville. Donc il dit à Kathleen, ok, pas de souci, après le travail, je vais faire un saut là-bas
et je te tiens au courant dès que j'y suis. À ce moment-là, il est 17h, quand les deux se parlent et qu'il prévoit justement Marc de passer là-bas. Le problème, c'est que Kathleen n'aura plus de nouvelles de Marc. Plus aucune nouvelle, dire qu'il était censé justement la rappeler. Le lendemain matin, Kathleen n'ayant toujours pas de nouvelles de Marc, s'affole. Cette fois-ci, c'en est trop, c'est extrêmement bizarre. Elle recontacte encore la police. À ce moment-là, elle est à bout de nerfs, elle n'a pas obtenu une seule information utile, elle a déjà fait déplacer la police, elle a fait déplacer un autre homme, personne ne la rappelle, elle ne comprend pas ce qui se passe, et elle explique tout une nouvelle fois à la police en leur disant cette fois-ci, s'il vous plaît, rentrez, essayez de voir ce qui se passe. Well, yeah. Formal police department. Okay, did you just speak with somebody at the residence? Oh, yes, I just spoke with, I guess, the daughter's boyfriend. Okay, well, I don't know, my sergeant went over there and he just said that it was a young kid, boy. And that Melanie and the girl she's staying with are at the movies now. Yesterday they went to Richmond. Vehicle had broken down and the cell phone's dead and that kind of thing. So is that what he talked to you about? That's what he told me, yeah. And like I said, because I don't know where the mother is. I don't know where, I mean, she's usually the one that I guess drives them around and she's just disappeared. I haven't spoken to her at all. The father I talked to earlier on today. Right. He said that he was on his way, and he didn't even know, as a matter of fact, he was on the road when I was talking to him. He was going to Farmville, he was supposed to stop at the house. I haven't heard from him since. Okay. Like I said, I'm at this point, I don't know. I mean, I don't know what to say at all. Okay. You know, him being at the movies, I just tried to call. He said that Emma tried to call, or just called him from the movies. And I tried to call the phone that she called from. They're going to, it goes right into it. Okay. Elle arrive à convaincre la police de se déplacer une nouvelle fois et la police envoie une patrouille une nouvelle fois au domicile de Debra. La police va arriver à la maison vers 15h20, le vendredi 18 septembre. À ce moment-là, quand elle arrive, elle trouve la porte de la maison déverrouillée. Richard, à qui la patrouille avait parlé la veille, n'est plus là. Il n'est plus dans le domicile. Et ce qui va frapper la police quand ils vont rentrer dans cette maison, c'est l'odeur. Une odeur épaisse, âcre et incomparable, celle de la mort. La police connaît cette odeur et comprend tout de suite que dans cette maison, il y a des cadavres. Donc là, c'était une raison suffisante pour entrer dans la maison, puisque l'odeur, ils la sentaient seulement sur le pas de la porte. Donc ça leur a donné un motif pour pouvoir justement entrer dans un domicile privé. Beaucoup se sont demandé d'ailleurs pourquoi la police n'avait pas senti cette odeur la veille. C'est pas en une journée que ça peut changer. Donc beaucoup pensaient justement que Richard devait avoir vu la police arriver en avance et était sorti du domicile et qu'ils avaient parlé dehors et non proche de l'entrée. À ce moment-là, la police pénètre dans le domicile et commence à fouiller. L'odeur les mène à une chambre en bas, certainement la chambre d'Emma, où se situe 3 corps. À ce moment-là, la police a réussi forcément à obtenir un mandat de perquisition pour pouvoir fouiller toute la maison. Et en faisant la perquisition totale de la maison, ils vont trouver un 4e corps à l'étage. Les corps retrouvés dans la maison appartenaient à Marc Niederbrock, Debra Kelley, Emma Niederbrock et Melanie Wells. Ils ont été officiellement identifiés lundi 21 septembre. Donc, on retrouve le corps de la fille de Kathleen, Emma, sa meilleure amie, Debra, sa mère, mais également le corps de Marc. Marc, en allant voir si tout se passait bien et où, qu'est-ce qui se passait, a été tué. La police va évidemment commencer tout de suite une enquête et va faire le lien avec l'homme qu'ils ont vu la veille dans la maison. À ce moment-là, une chasse à l'homme va être déclenchée, ils ne sont pas dupes, ils ont parlé à un homme la veille, ils ont bien compris d'après les médecins légistes que les corps ne sont pas morts la veille, donc il est forcément lié, il faut le retrouver. En parallèle, quelques jours auparavant, le vendredi 18 septembre, vers 4h du matin, un propriétaire qui vivait à Port House Road, à Farmville, avait appelé la police justement pour signaler une voiture coincée dans un fossé. Il y a une dépanneuse qui va se déplacer, et un adjoint qui va mettre une amende à la personne qui conduisait. Cette personne, c'était Richard. Quand la police va l'interroger pour savoir à qui est la voiture, il va tout simplement répondre que c'était au père de sa petite amie, la voiture de Marc. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, les corps n'étaient pas découverts par la police, au moment où il a été arrêté pour la voiture. Ils ont été découverts bien après, donc Richard n'était pas recherché à ce moment-là. Mais c'est important, puisque quand l'agent va parler à Richard lors de cette petite arrestation, ils vont échanger et discuter. Et dans la conversation, Richard va dire à l'adjoint son intention de rentrer chez lui en Californie le lendemain, le samedi 19. Les enquêteurs remontent doucement la piste de Richard, et justement, quand la voiture était dans le fossé, Richard a été emmené par un dépanneur jusqu'à une station-service. Et d'ailleurs, le dépanneur dira plus tard que c'était horrible, puisque Richard puait atrocement.
et qu'il était obligé de rouler la fenêtre ouverte s'il ne voulait pas vomir. Donc la police va se rendre dans la station-service et ils vont savoir à ce moment-là que Richard a pris un taxi pour se rendre à l'aéroport international de Richmond dans la soirée du vendredi 18, où il comptait y passer la nuit pour prendre le vol le lendemain pour la Californie. C'est donc très tôt le matin du 19 septembre que la police va appréhender Richard, qui dormait tout simplement sur une chaise lors de la récupération des bagages à l'aéroport international de Richmond. Il va d'abord être accusé du meurtre de Mark Niederwalk, de vol qualifié pour avoir volé la voiture de Mark et de vol pour avoir pris de l'argent dans son portefeuille. D'autres accusations, évidemment, vont s'ajouter à ça, mais avant tout, il fallait prouver qu'il était responsable des autres meurtres. Mais celui de Mark était bien évident. Quand il a été arrêté à l'aéroport, Richard, et qu'il a été emmené par la police, forcément, il y a des journalistes qui se sont affolés, puisque l'affaire, tout le monde l'a appris très rapidement. Et il y a un journaliste qui va poser la question à Richard pour savoir pourquoi vous avez fait ça. Et lui va simplement répondre, c'est Jésus qui m'a demandé de le faire. Le 19 octobre 2009, Richard McCroskey a été inculpé de 6 chefs de meurtre qualifiés, un pour chacune de ses victimes, ainsi que de meurtre qualifié pour le meurtre de plusieurs personnes en 3 ans. Les preuves contre lui étaient accablantes. Son avocat commis d'office, Carrie Bowen, a déclaré à Richard qu'il devait parvenir à un accord de plaidoyer afin d'éviter un procès et, par conséquent, la peine de mort. Un an plus tard, le 20 septembre 2010, Richard McCroskey a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de meurtre qualifié et à 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, et a renoncé à son droit d'appel. Il a été condamné à 4 peines de prison à perpétuité. L'avocat du comté du prince Edward, Jim Ennis, qui était présent lors du procès, va déclarer à propos du mobile de Richard pour les meurtres, je cite, « Je pense qu'il y avait une certaine attente concernant la relation avec Emma. Ce que cela allait être après un an sur l'ordinateur, et cela ne s'est pas avéré être ce qu'il imaginait. » Richard n'a rien dit durant son audience et son procès, il ne s'est absolument pas exprimé. Juste, il aurait souri en quittant la salle d'audience. Il aurait été conduit à la camionnette qu'il ramenait en prison. Il souriait. De toute façon, vous voyez sur les photos que je vous montre, on le voit, il a un petit sourire. Hein. Ça a l'air de le faire rigoler. Peut-être que ça donne un peu de crédit aux musiques qu'il faisait. Donc beaucoup pensent qu'il éprouvait même pas des remords pour ce qu'il avait fait. Mais on aura beaucoup plus de détails après l'audience, parce qu'il va avoir raconté un peu à son avocat ce qu'il a fait, et l'avocat va raconter aux journalistes un peu le déroulé de la soirée et de ce qui s'est passé. Donc évidemment, je vous le raconte. Le mobile de Richard pour les meurtres était clairement sa rage contre Emma, notamment pour l'avoir rejeté lors du festival de musique. En ce qui concerne Marc, Debra et Mélanie, c'était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. C'était pas ciblé, mais il pouvait pas les laisser en vie. Le soir des faits, Richard avait bu beaucoup d'alcool, fumé de la marijuana, donc sa rage s'est accentuée. Ça n'arrêtait pas de monter. Mélanie a été la première à être tuée. Elle dormait sur le canapé de la tanière. Elle a ensuite tué Debra dans une pièce à l'étage, et enfin Emma dans sa chambre en bas. Les 3 femmes ont été assassinées aux petites heures du 15 septembre. Avec un marteau à panne ronde. Aucun d'entre eux ne s'est réveillé lors de leurs attaques, comme l'indique l'absence de blessures défensives. Il a tué tout le monde dans leur sommeil, en commençant par Mélanie. Ensuite, il s'est attaqué à la mère d'Emma. Pour finir, il a tué Emma. Et pour Marc, c'est assez simple. Lorsque Marc s'est rendu justement à la maison le 17 septembre après avoir reçu l'appel de Kathleen, il est rentré dans la maison de son ex-femme et a été pris tout simplement en embuscade par Richard. Il a été battu à mort avec une meule de fendage de bois très lourde. Et Richard a déclaré d'ailleurs plus tard qu'il s'est servi de cette arme-là, enfin de cette chose-là, parce qu'elle était justement très lourde et il pensait justement que Marc ne souffrirait pas du coup, puisque c'était lourd. Ça irait plus vite. Après avoir assassiné Marc, Richard a déclaré qu'il a traîné son corps et celui de Mélanie dans la chambre d'Emma pour une raison quelconque. Il a ensuite essayé de nettoyer la tanière. Il a ensuite enregistré une vidéo de lui-même dans laquelle il parlait devant la caméra, expliquant qu'il savait qu'il devrait payer les conséquences de ce qu'il avait fait et qu'il envisageait à ce moment-là de sauter la vie. Alright, so I'm making this video because, or if anybody finds this, I really don't know what I'm trying to say. I'm breathtaking at what I've done. And I apologize. I know I'm gonna pay for my consequences. You know, I wish that I could have not done this. I just lost my mind. I snapped and I did what I did and I gotta pay for it now. My consequences. I'm like all shaky and stuff. But like, to anybody that finds this, tell my parents that like I love them and I'm very sorry for doing this. And there's nothing really else to say to everybody that is probably gonna hate me for this. I'm sorry, and I had to do it. My mind just snaps. I couldn't control it anymore. That's it. Fuck you to the big world. Fuck everybody in the world. I can't stand this place. Et c'est vers 3h45 du matin, le vendredi 18 septembre,
que Richard va fuir les lieux dans la Honda 2000 de Mark Niederbrook après avoir volé l'argent que Mark avait dans son portefeuille. Et peu de temps après, la voiture s'est retrouvée coincée dans un fossé et ça a mené justement à l'arrestation de Richard peu après. Pour résumer cette histoire, il faut se rappeler qu'en 2009, Internet et ses dangers n'étaient pas encore extrêmement connus. On était encore à l'époque de MSN, MySpace, ces choses-là. Les gens n'avaient pas conscience que derrière un écran, il y avait potentiellement du danger et que de rencontrer des gens sur le net n'était pas forcément la même chose qu'en réel. Emma a rencontré un garçon fan de musique, la même chose qu'elle écoutait, et en plus elle fantasmait un peu sur lui puisqu'il était rappeur et écrivait des chansons qu'elle aimait beaucoup. Le problème, c'est qu'une fois rencontré dans le réel, ses attentes, ben ça s'est pas passé comme prévu. Elle s'est rétractée, mais de son côté, Richard était épris et fou amoureux de Emma, puisqu'il faut savoir que son passif, justement, adolescent, n'était pas très glorieux. Il a été harcelé, intimidé, et justement, n'avait très peu d'amis et ne fréquentait pas de filles. C'était quasiment la première fille à s'intéresser un tant soit peu à lui. Alors quand, justement, il a vu qu'Emma se braquait, ça l'a fortement déçu et énervé. Quand ils sont rentrés du festival, et qu'il a vu que Emma était froide, et qu'en plus Emma, durant le festival, avait dragué d'autres personnes devant lui, ça a été la goutte de trop. Une pulsion meurtrière, accentuée par l'alcool et la drogue, ont fait que Richard est passé à l'acte. Il voulait absolument tuer Emma. Étant donné qu'il y avait d'autres personnes présentes dans la maison, et qu'il ne voulait pas être arrêté pour ses crimes, je suppose, ni reconnu, il a décidé de tuer tout le monde. Et tristement, quand Mélanie n'est pas rentrée chez elle, et que sa mère s'est inquiétée, et qu'ils ont envoyé le père d'Emma à sa recherche, eh bien, ça a rajouté une victime dessus, puisqu'il a paniqué en voyant l'arrivée de Marc, et a décidé de le tuer également. Sa fuite aura été très courte, puisqu'il n'a même pas eu le temps réellement de prendre son avion pour partir, mais il aura eu le temps quand même de faire 4 victimes d'une façon très violente. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que, heureusement, les victimes n'ont pas souffert, puisqu'ils ont tous été tués dans leur sommeil. Évidemment, cette histoire reste intéressante dans le sens où il faut toujours faire attention sur Internet. Vous ne savez jamais à qui vous parlez, derrière un écran. Un pseudo, on peut cacher n'importe quoi derrière. Si vous êtes jeune et que vous me regardez, que vous êtes, je sais qu'il y a de tout âge sur Internet, méfiez-vous et ne faites pas confiance à n'importe qui sur le net. On ne connaît pas les gens. Que ce soit pour les influenceurs que vous suivez d'ailleurs, ça vaut pareil. Voilà pour cette histoire. Là, on est repassé sur du criminel. Ça faisait un petit peu longtemps, 2 semaines, je crois. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous ne connaissiez pas cette histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir comme d'habitude. Et surtout, n'hésitez pas à passer sur ma boutique, ça me ferait hyper plaisir. Sur ce, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo, une histoire criminelle ou autre chose. Adieu.